Rudolf Jah, yon nan moun ke yo arrete nan dossier assassinat Jovenel Moïse la, li pale. Li cite non plusieurs moun ki ta participé nan complot pou yo touye Jovenel Moïse. Yon nan moun sa yo se palot sinon ke Ariel Henry. E li même cite non directeur général la police la, Franz LB. Nous pral saisi tan de koze. Et li parle tout concernant Fantôme 509 yo. Nous songe groupe sa ki te composé des anciens et actuels policiers, eh bien li parle concernant yo. Ki sa li di? Et là nous pral jwenn en pile information. Mais avant bon petit temps pour me dire nous bonjour, bonsoir tout le monde. Nous content pour nous là ensemble avec nous pour nous capable porter pour nous bon gens information. Pas oublier si c'est première fois ou tomber sur channel ça tant de causer abonné nous même qui gagnons bon temps depuis que nous a suivre nous tant prix like vidéo et puis partager vidéo ça ba yon famille ba yon zami mes amis en nous entrer dans maman causer ya selon ça yon journal américain qui rele New York Times fait connait dans yon article que li publié jodi a même. Ta gen en pile preuve qui montre Ariel Henry gen yon lien étroit ensemble avec yon nan suspect numéro 1 nan assassinat Jovenel Moïse la, en parlant de Joseph Félix Badjo. Et li te même rete en contact ensemble avec Badjo même après la mort Jovenel Moïse. Pa bliye, après la mort Jovenel Moïse, Ariel Henry li te vin premier ministre pays ya nan objectif pou permettre Jovenel Moïse jwenn justice et pour gagner aller mieux pour pays d'Haïti. Mais yon petit temps après, yo te vin découvri avec preuve que Ariel Henry lui-même te kon parler ensemble avec Joseph Félix Badjo. Badjo te parlé avec Ariel Henry au moins deux fois avant et après la mort Jovenel Moïse. 4 mois après la mort Jovenel Moïse, pendant que la police t'a cherché Badjo, eh bien Badjo lui-même dit al kay Ariel Henry pour pipiti deux fois et tout deux fois ça yo c'est la nuit. Li entré kay Ariel Henry sans aucun crainte et li parler ensemble avec Ariel Henry. Pas oublier toute déclaration que nous a fait là, toute bagaille que nous a dit là. Donc c'est selon ça journal New York Times fait qu'on est. Ça c'est lien qui montrait relation que Ariel Henry lui-même li gen avec Badjo. Les amis, c'est gros saisissement Ariel Henry. Même pendant que yo a cherché Badjo, eh bien, li parlé ensemble avec. Non seulement yo parlé en téléphone, mais tout Badjo lui-même li ta la kay Ariel Henry pour pipiti deux fois. Ça c'est déclaration que et journal là lui-même li fait. Eh bien, Rudolf lui-même li parlé. Avant que yo te arrêté Rudolf, journal ça li te fait une interview ensemble avec Rudolf Jah. Rudolf Jah li admet li te aidé nan financer et nan planifier complot. Rudolf Jah di Joseph Félix Badjo te dit Ariel Henry c'est yon aye important après nous fin chavire président. Et c'est yon bon ami li gen contrôle li. Sa se déclaration Rudolf Jah. Rudolf Jah fait konnen li même ak Badjo après assassinat Jovenel Moïse te rete en contact pendant yo te nan Maron. Et yo te même rete nan même kay. Pa bliye sa c'est après oui, après yo fin assassiner Jovenel Moïse et bien yo te rete un côté sûr, un côté li konnen, yo konnen ke yo pa ka jwenn yo, yo te rete nan même kay. Et bien yon petit temps après que tande sa mes amis parce que déclaration ça que Rudolf fait a li va faire saisir. Tande sa dit. Yon petit temps après Jovenel Moïse te fin mouri, la police te encerclé côté colombien yo te ya. Badjo li même li te prend téléphone ni li te relé Ariel pour Ariel aider le sauver. Eh bien Ariel Henry te répond ni bon mieux petit temps m'a fait quelques appels. Rudolf dit il te pensé objectif complot c'était pour te destituer Jovenel Moïse. C'est pas pour tout. Il déclarait tout le monde qui était dans complot te vle pour Wendell Koch comme nouveau président. Tout ça yo te vle c'était capturer Jovenel Moïse, c'est pas pour tout il. Donc ça veut dire t'vle bailler Jovenel Moïse, yon coup d'état, mettez le dans avion et puis voyez le dans l'autre pays. Il dit, il pas même comme ça fait plan changer. Et yo t'vle
bay Jovenel yon coup d'état. Donc j'en dis, c'est pas pour yon touyel. Ou Dolja, c'était non France LB tout dans dossier assassinat Jovenel Moïse. Il dit pendant yon réunion Badio te rele France LB à l'époque qui était conseiller principal PNH là pour aider le jeune zam pour coup d'état. Mais France LB dit li pa gen zam. France LB pas fait rien pour éviter coup d'état. Pas oublier France LB que nous a parlé là, c'est actuel directeur général police nationale là. Selon ça ou doit faire connait France LB était au courant des complots. Et ça m'était de causer France LB actuel directeur général police nationale là était au courant que yo t'a pral bay Jovenel Moïse yon coup d'état. Ou doit faire connait tout c'est Badjo qui t'a invité dans complot. Ou doit dire il était accepté entrer dans complot à cause li pat rime Jovenel. Et Jovenel c'est un nèg qui était très arrogant. Il pensait que s'il était entré dans complot, s'il était investi dans complot pour tout alors pour coup d'état contre Jovenel Moïse là, ça t'a permettre de joindre quelques avantages commerciaux. Par exemple, franchise douanière permettre qu'il ca fait plus business. Donc il pensait c'est raison ça qui fait qu'il était entré dans complot pour yo bay Jovenel coup d'état. Il va connait, il pas connait qui est qui t'a bay Badjo l'ode pour bay président coup d'état ni moun ki a la tête complot yo te convainc li Badjo te dit États-Unis au courant de complot et États-Unis impliqué dans complot ça. Est-ce que nous t'en décoser? Donc ça veut dire li tromper monsieur pour faire quoi que États-Unis li te nan complot ça. Bon est-ce qu'il était dans complot? Bon en tout cas nous pas connait. Ou déjà déclaré tout li te bay 130,000 dollars américains pour te capable acheter zam joine kay pour colombien yo. Donc ça c'est déclaration que Oudolja li même li fait concernant France LB qui ta nan complot et comment que li financer complot ça. Li parler tout concernant fantôme 509 yo. Nous avons fantôme 509 yo qui gen des policiers qui nan PNH ta et ancien policier. Eh bien, li parle concernant yo. Li fait konnen que ou dol fait konnen que c'est fantôme 509 yo qui t'a pral pran Jovenel la caille. C'est eux même qui t'est responsable pour yo té al caille Jovenel, pour yo té capturer après ça pour yo voyer nan l'autre pays. Ou dol déclaré li té réuni même ak yon moun qui t'est fait quoi c'est lui même qui chef fantôme 509 là. Mais yon semaine avant assassinat Fantôme 509 yo retire tête yo nan causé ça et c'était moment ça monsieur yo te décidé c'est ancien soldat colombien yo mercenaire qui t'a pral entrer kay Jovenel. Objectif soldat ça yo que yo te recruté ya c'était pour te bay sécurité à moun qui t'a pral président moun qui t'a pral monter comme président en parlant de Wendell Cook. Pas oublier c'est un coup d'état que vous avez planifié. Donc vous avez voyé Jovenel Moïse aller et bien vous avez mis Wendell Cook comme président. C'est dame ça qui t'a parlé présidente pays après Jovenel Moïse. Donc c'est ça que vous avez planifié. Et bien colombien yo soldat colombien yo c'est eux même qui t'a parlé bail dame ça sécurité. Ça c'est déclaration Oudolja lui-même il fait connait. Et bien Oudolja fait connait tout, il pas de compte côté plan pour yo touyer Jovenel Moïse là t'est sorti. C'est quelques minutes après la mort de Jovenel Moïse, il recevait un appel de Germán Rivera, chef mercenaire colombien qui dit rat la mouri. Yon façon pour dire yo touye Jovenel Moïse. En tout cas mes amis, ça c'est toute déclaration que Oudolja lui-même li fait. Bon, ça montre clair comment que Ariel Henry t'a impliqué dans complot pour assassiner Jovenel Moïse là. Et yon autre information tout c'est que même journal là li fait quoi que yo t'est entré yo t'a essayé entrer en contact ensemble avec France LB yon façon pour dire si c'est vrai ou non mais France LB pas répondre pas décider répondre sur question ça. Ça veut dire France LB d'accord que non li t'est connait que Jovenel Moïse t'est pral ban un coup d'état ou bien t'a pral assassiner mais li pas fait rien li t'est kembé secret. Pas oublier tout yo cité non Wendell Cook yon ancien juge cour de cassation yo cité non
nan complot d'ailleurs li gen avis de recherche d'elle comme yon moun ki ta participé nan complot pour touye Jovenel Moïse ta. Mais gen plus information encore que me penser que vous doit déjà connait di pa vle bay. Par exemple moun ki a la tête là, on imagine ou pa entrer nan complot pour pas connait ki moun ki a la tête, me penser ça. En tout cas mes amis, ça c'est toute information ça que nous te gagné. Donc ça me dit clairement que comment Ariel Henry est impliqué dans complot pour tuer Jovenel Moïse là. France LB actuel DG PNH là est impliqué dans complot ça. On imagine ça mes amis, si tout le monde ça, si premier ministre, si ancien alors si directeur général police là entré dans complot ça, la difficile pour Jovenel Moïse de joindre justice dans pays d'Haïti. C'est vraiment et difficile pour Jovenel Moïse joindre justice parce que nèg qui nan complot yo d'ailleurs Ariel Henry parle plusieurs fois ensemble avec Joseph Félix Badjo d'ailleurs li aide le sauver donc ça me clique que Ariel Henry li gagne un pas li doit rendre tête li à la justice une façon pour li capable répondre question ou bien pour li ta même prendre prison pour ça que li fait. En tout cas mes amis, c'est toute information ça que nous te porter pour nous. Nous espérons que nous satisfait. Si gagne un bagage nous voulez que nous changer la façon que nous fait émission, nous capable quitter ça dans commentaire pour nous. Donc c'est un plaisir, à la prochaine pour une autre vidéo.